Donc voilà, trou numéro 7, 418 mètres. Et pourtant, ce n'est qu'un par 4. Alors à titre d'info, pendant la Ryder Cup, moi j'étais installé là, je voyais l'arrivée sur le 6 et le départ du 7, des pros avec un monde. C'était tellement dingue qu'on n'y voyait pas grand chose. Faut être sur la gauche là. C'est là où ils sont, les ouais. Blancs à droite à gauche. Allez. Je suis pas le plus long, donc je peux jouer, je pense. Le mec en blanc, il a 270. 270, il est le mec en blanc. Allez, bah, je peux jouer là. Moi, je suivais pas à 260. Non, mais c'est ça pour allez, 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 passe. Ah, j'ai vu un rebond sur la gauche. Ouais, mais j'ai vu le rebond sur la gauche, donc je sais pas ce que ça donne derrière, je vois rien. Ouais. Pas grave, pas grave. C'est tendu, ça roule, ça passe, et on la voit remonter. Ok. C'est bien, Christian, regarde, regarde. Regarde. Oui, mais c'est commercial. Commercial. Oh là 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 là. Tout en draw, elle revient, plein milieu. Oh là 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 là. Non seulement le kick, t'as overdrivé, plus la roule. Tu connais tes distances? Magnifique. Alors après, t'es, ouais. Et tu es parti, pareil, ton kick à gauche. Allez-y, on va retrouver les balles. Pourquoi ne faut-il pas s'égarer au golf national? Alors, pour vous donner une petite indication. Voilà. Ça, un hors limite. Regardez la taille des roughs là-bas. Oh, il y a des balles sur les côtés là. Les roughs ici sont redoutables. A contrario, le fairway, c'est du billard. Donc je vous conseille à chaque fois, c'est de toucher le billard. Alors, démonstration, où me suis-je mis? J'ai peur. Ça, ça va être Raphaël. Voyons voir. Allez, prie pour que ce soit ta balle. Allez hop, faire 6, parce que le but c'est de retrouver un milieu de fairway. Voilà. Il a pris une distance. Bien ça. On va plat aujourd'hui. Ouais, ouais, mais. Ça va y aller, hein. Ah, bah c'est marrant, c'est, ah. Oui, je la vois. Ah, si, regarde, ah, entrée de green. Entrée de green, bravo. Entrée de green. Allez. Justin, 150 mètres là. Il y a 173 mètres milieu de green et je pense que le drapeau est plutôt full green. Là, je vais regarder sur. Donc 180, donc un faire 8. Faire 8 ou faire 9? Oh là là, t'es même trop loin. T'es trop loin. Ah, joli ça. Joli! Sur le green! Oh là là! Putain, je tape une balle bien droite. Attends, j'en vois une là. Elle est là, elle est là!
faire 6, je trimballe un sac pour rien. Ah! Oh que c'est dur! La moindre situation est compliquée, mais vraiment. Fou, un ref, un bord, tu te dis, oh ta balle, elle est bien. Eh non, elle n'est pas bien. C'est chaud. Allez, revenons au jeu, on est en approche de green. Moins de difficultés à venir. Je suis là-bas, là, un peu court. Mais en fait, pour pas perdre trop de temps. Pas trop de temps. Trou numéro 8, c'est le trou numéro 8, enfin un par 3. Je crois pas qu'on en ait déjà joué les par 3. Si, on a joué le 2. Le 2, ah oui, 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 exact. Exact, ouais, le 2 avec. Oui, oui, ça y est. Donc c'est le deuxième par 3 de l'allée. 180 mètres en gros drapeau, 170 mètres. Et très, voilà, très encaissé, on dirait un cirque. C'est magnifique. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de nature, mais c'est magnifique comme endroit. Il y a les arbres là-bas au loin qui sont feu. Qui enrobent tout le golf national, mais lui, il est très lynx. Je n'ai jamais joué de lynx. Donc là, voilà, le par 3, numéro 8, on fera le 9 et après, j'irai jouer librement. Je vous laisserai découvrir la suite, mais alors, venez voir ce parcours. Là, en configuration Ryder Cup, c'est une tuerie de chez tuerie. Et comme on a l'équipe américaine qui joue plutôt bien, Dustin et Patrick, donc ils reprennent la main, un beau, on ne l'a pas vu à la caméra, il n'y avait plus de batterie. Mais voilà, on termine par un magnifique par. Donc on n'a pas vu les putts, on n'a pas vu l'explosion de joie, on n'a pas vu la liesse de la foule. J'irai prendre des images de la Ryder Cup que je remettrai dans la vidéo si tu veux. Voilà. Donc c'est Adnan et Raphaël qui vont avoir la main. Et puis pour une fois, je suis content, je sors mon bois 5. J'ai l'impression de sortir que le fer 6 ici. Allez, à tout de suite. C'est bien ça, à droite. Putain, alors après, ouais. Elle a pas claqué. Elle a pas ok. Claqué. Ça, c'est magnifique. Ah, juste, ouais. Oh là là. Allez. Ça part à gauche. Wow, plein ref. Bon, j'ai cru, je crois que je l'ai identifié quand même. J'ai pas vu le rebond. Ça se serpente, regardez-moi ces refs de dingue. Pouf. Allez. Je suis pas mécontent.
te laisse faire le drapeau. Un bogey, je retrouve un peu de score. Oh. Oh, joli! Ça fait un par? Joli, joli, joli. Allez, hop! C'est ça, on est tous contents quand il y a du score qui rentre. Et là, c'est Raph qui rentre un par. Hein. Joli par, joli par. Allez, c'était le 8. On va terminer par le 9. Qui se trouve là-bas. C'est parti. Le trou numéro 9, un long par 5 en dogleg avec des dangers de la flotte, l'arrivée là-bas à l'approche des grandes tribunes. Donc c'était un plaisir de faire le golf national, le parcours de la Ryder, de vous refaire la Ryder Cup en mode je vous emmène golfer. Dingue comme expérience, hein. Pour moi ça a été un vrai régal de jouer avec des partenaires de jeu super sympas et puis qui envoient. Et voilà, on se fait dompter, trois dames pour l'Europe, three up pour les États-Unis. Et donc là, c'est Raphaël qui reprend la main. C'est parti. Trou numéro 9, allez, vas-y. Oh putain, c'est passé. Ouais, voilà. Déjà de savoir que tu vas retrouver la balle. Pouah, ça tourne. Hop, 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 hop. Ouah, puis là. Après, c'est possible, oui, oui, oui. Ah bah je touche un fairway, je touche un fairway. Il l'a touché. Oh ouais, la foule en liesse. T'as pris, alors t'es juste, ouais, reviens. T'es au niveau de la jonction du tournant de la butte. Balle provisoire pour Adnan. Mais tu retrouves toujours la première. Putain, je l'ai pas vu moi. Je ne l'ai pas vu moi. Allez hop, go. C'est probablement le parcours le plus difficile. Depuis que je joue au golf, certainement. Mais là, putain, dès qu'on s'écarte un peu, c'est le mode punition quand même. Mais c'est bon de se faire punir. Il y a une forme de sadomasochisme sur le parcours de la Ryder. Enfin, dans le golf et sur le parcours de la Ryder. Allez, on revient au jeu, je disais dire des conneries. Là, t'es là, on te voit là. Même ça, c'est difficile à jouer. Alors je dirais rien, tout à l'heure j'en avais trois comme ça d'affilée, c'est dur. Allez, maintenant sur les billards, ça va être plus agréable. Je vois plus.
T'as quoi en distance annoncée là? Ok. Qui est là-bas, il n'est pas en jeu, et de toute façon je veux du fairway. Bah, ce sera joli si je suis sur le fairway, c'est la seule chose que je veux. C'est tellement dur le reste, mais elle était bien touchée. Et Christian un peu en difficulté là. Ouais, fairway. Ouais. Il l'a trouvé Ouais. Oh là là, donc la première balle d'Atnan qui était là. Sa provisoire pile là au milieu. Putain, mais il envoie des mines. Des mines, des mines. Puis jouer gamin, c'est ce qu'il me disait. Ouais, ça retouche le fairway, fairway. Ref, oh, putain, ce que c'est dur. Le golf est un sport exigeant. La preuve, oh là là. Donc 1, 2, 3, 4. Et je suis allé me mettre en misère là-bas pour jouer mon cinquième coup. Oh putain. Maintenant regardez comme c'est joli. Regardez un peu les tribunes qu'il y avait là, l'ambiance qu'il y avait là. Ça devait être dingue même pour les joueurs. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est hallucinant. Allez, Atnan est en deux à l'entrée du green. Pouf. Oh là là. Et ben maintenant, il va falloir sortir de là. Pour aller sur le green qui est là-bas. Oh. Putain. Je joue la phase de club, hein, mais... Bon, je suis sorti, mais je suis là. Je suis revenu sur le billard. Good morning, ladies and gentlemen. Yeah. Yeah.
Et voilà, on était dans la tribune principale au départ. Un instant magique, on vient de passer une bonne demi-heure à mater tous les départs. C'est hallucinant de jeu. Bonne Ryder Cup à tous. Patrick! Oh, did you feel good to say something?